Aïe. Voilà donc la deuxième partie dans laquelle je vous explique comment avoir les bad ends. Bref. Donc là, voici la tâche du soleil. Surtout, ne parlez pas à Gary, posez directement au miroir. D'accord? Parce que sinon, ça enclenchera un petit peu la good end, même si je pense que ça fera rien du tout, vu tout le chemin qu'on a fait. Donc, il nous a pas parlé de macarons, il nous a pas demandé de l'âge qu'on avait, donc aucune affinité. Ok, il a pas dit qu'on ira ensemble, donc aucune affinité, comme je vous l'ai dit. Alors, appuyez sur la lampe. Oh mince, je me suis trompée. Mince. Alors, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, elle est où la 7? La 7, ici, la 8, là. Je pense avoir compris ce que c'était tout ça là, mais pas sûr. Hop, clin blessé. Et voilà, non, nous voilà partis pour la boîte à jouets. Hop, hop. On va sauvegarder à partir d'ici et après, par contre, il faudra plus sauvegarder. Boîte à jouets. Tu veux voir? Et voilà, elle nous pousse dans la boîte à jouets. Arg, j'avais remis la musique de Ib à 100%, donc je crois qu'on m'a pas très bien entendu avec le micro. Alors, tu n'as plus ta rose et Gary n'est plus là, donc n'allez pas récupérer la rose, allez directement voir Gary. Par contre, je crois que je vais galérer à trouver la clé parce que normalement elle est plus sur le chat rose, elle est autre part. Alors Gary, hop. Je me suis cogné la tête, patati. Ah, Yves, est-ce que j'ai bien? On faut rien dire. Sérieusement, tu n'as rien, dis au moins quelque chose. Bref, dans tous les cas, cet endroit est louche. C'est ce que l'intérieur de la boîte, nous sommes tombés de bien haut après qu'elle nous ait poussé. Bon, cherchant la clé, sortant d'ici, tu as l'air un peu pâle, tu n'as vraiment rien de cassé. Quoi, tu as perdu ta voix, c'est pas bon du tout. Tu l'avais avant, elle doit sûrement être dans la boîte à jouer, cherchons-la. Normalement, elle n'est pas dans la boîte à jouer. Elle y est pas du tout. Non, il y a même pas les pétales, donc non, elle y est pas. Alors, la clé. Et là, voilà la clé. Donc, il n'y a pas la... Oups, tiens, la clé rose. Oh, qu'est-ce que... Un cadeau pour moi? Et voilà là où elle est, la rose. Ouais, c'est trop joli. Puis-je la voir? Oh, merci. Ça ne peut pas être... Marie! Oh, Ib et Gary, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Mais regardez ça, j'ai ça, c'est joli, n'est-ce pas? Marie, cette rose. Hein? Ah, oh, tu veux dire c'est à Ib? Tu me disais bien l'avoir déjà vue. Marie, je t'en supplie, rends-la à Ib. Hein? J'imagine. Ib, tu la veux vraiment? Oui. Bon, Allons, on fait un échange? La rose de Gary est bleue, hein? J'aime bien le rouge, mais j'adore le bleu encore plus. Tu vois, cette poupée est bleue aussi. N'est-elle pas mignonne aussi? Même Ib a dit qu'elle était mignonne, n'est-ce pas? Alors, on échange? Il faut dire, Gary. C'est... Je peux pas refuser. Putain, ça y est, je commence à être dégoûtée. J'ai compris, s'il te plaît. Donne la rose d'Ib en échange de la mienne. Vraiment? Tu es sûre? Oui. Ouais, belle, jolie fleur. Faites attention avec ça. Es-tu en colère? Hein? Pourquoi? Pourquoi je serais-je énervée après toi? Ce n'est pas ta faute, Ib. Ne t'inquiète pas de ça, ok? Et ma rose. Bref, nous avons juste à rattraper Marie et la reprendre. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Et ben, on aurait quand même affaire avec aller au jouet. Quoi? Ah, qu'est-ce qu'ils ont? Ib, fais attention! Olé!
Il m'aime. Il ne m'aime pas. Il m'aime. Ib, attends. Ib, désolé, mais peux-tu passer devant? Je suis désolée. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne veux pas te mentir, mais je ne veux pas te dire la vérité non plus. Si tu as besoin d'aide, je viendrai à ton secours. Pars devant. Il ne m'aime pas. Il m'aime. 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 Ouais, maintenant je peux... Et là, vous allez voir Gary. Gary est en train de dormir. Il est en train de tenir un briquet. Prenez le briquet. Tu tiens trop de choses. Mangez le bonbon. Ouais, mangez le bonbon. Tu as mangé le bonbon que Gary t'a offert. Et hop, vous avez le briquet. Au revoir, Gary. Et là, vous allez brûler la face à Marie. Hein? Mais je peux la brûler normalement. Bah, c'est quoi ce bordel? Normalement, je pouvais brûler. Ah, mais non! Mais non, je suis conne. Bref. Ouais. Voilà. Vous allez là. Hop. J'ai utilisé la clé rose. Hop, vous allez toutes seules dans la galerie. Ah, je... Oh, merde, je me suis trompée en vous disant qu'il y avait... vous savez quand il y a le Forgotten Portrait? Et bah c'est quand Marie devient votre sœur. En fait, c'est la même haine. C'est deux en un, enfin, je crois. Hops. Hop là. Voilà. Hop là. Bon, Gary est mort. Ça y est, je sens que je vais chialer. Et voilà, vous êtes dans la peinture. Vous retournez dans... Ah, et Marie. Voilà. Tu ne te souviens pas ce que tu faisais ici? Où est-ce qu'il est? Gary! Chip! Et voilà. Hé, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Marie, voyons, tu parles déjà du repas? Eh bien, c'est parce que j'ai faim. Oh! Tu es de retour? J'ai trouvé Ib. Ma parole, Ib, où étais-tu? Ta mère voulait voir l'exposition avec toi. Eh, tout va bien. Peut-être que Ib voulait voir l'exposition seul et tranquillement. Ouais, c'est ça, hein, Ib? Eh bien, dans tous les cas, nous devrons partir bientôt. Il semblerait que Marie ait déjà faim. Oui, et ta mère commence à avoir soif. Allons voir si nous pouvons trouver une cafétéria. Ouais, cafétéria. Ib, tu entends ça? Une cafétéria. Je suis impatiente de voir ce qu'ils ont. D'accord, allons-y. Ouais. L'exposition de Gartenard valait la peine. Oui, je suppose que Ib et Marion ont appris beaucoup de choses, hein. Ouais, c'était génial, n'est-ce pas, Ib? Ib, à quoi veux-tu jouer quand nous serons à la maison? Ah, j'étais loin que c'était rien qu'à l'idée de penser à ça. Promets-moi qu'à partir de maintenant, nous serons toujours ensemble, Ib. And together forever, pour toujours ensemble. En fait, c'est une bad haine en étant une good haine, en fait. Parce que Marie, n'empêche, elle est quand même mignonne dans un
un certain sens. Et elle veut être avec Ib. Mais Gary est quand même resté mort là-bas, donc... voilà quoi. Donc voilà, l'une des bad ends de Ib, mais je ne me souviens pas. Vraiment plus du tout, mais vraiment plus du tout, du tout, comment avoir la end avec le Forgotten Portrait. Franchement, je ne sais plus du tout. J'ai carrément oublié. Arg, je suis vraiment désolée. Mais donc voilà la deuxième bad end, entre parenthèses good end. Et en fait, l'autre end, en fait, c'est Ib qui tue Marie et voilà quoi. Et qui se retrouve toute seule avec ses parents en laissant Marie et Gary toute seule. Bref, en espérant que ça vous a plu, je vous ai donc montré une bad end en un peu good en même temps. Mais j'espère que vous aimerez, que ça répondra à la question de certains concernant les bad ends. Mais franchement, je ne sais plus du tout comment avoir l'autre bad end. Donc si quelqu'un a la réponse, voilà quoi. Eh bien, c'est tout. Et donc je pense en avoir fini avec Ib. Et j'avais les larmes aux yeux depuis tout à l'heure à cause de ces conneries de bad end. Et donc, en espérant que vous ayez aimé. Allez donc faire un petit tour sur Facebook. Abonnez-vous. Et voilà. À bientôt avec The Witch House. Bye.